Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche dit de la sexagésime dans l'ordo traditionnel. Trois invités dans notre émission. Tout d'abord, le père Jean-François Thomas, à propos d'un document que vient de publier la Conférence des évêques de France, intitulé « Synthèse des résultats de la consultation sur l'application du motu proprio sumorum pontificum ». Ensuite, nous accueillerons Patrice Morès, qui vient de publier plusieurs articles dans la revue Lecture française à propos de ce que l'on a appelé l'affaire des fiches. Aujourd'hui, il est beaucoup question de ficher les gens, et bien ça n'est pas d'aujourd'hui. Et enfin, nous accueillerons Sophie Magerand, responsable de l'agence de voyage Odeya, qui viendra nous parler de l'activité de cette agence, et en particulier des pèlerinages qui sont organisés. Bonjour mon père. Bonjour cher Merci monsieur. De revenir. Je vous en prie. La Conférence des évêques de France a publié il y a une quinzaine de jours un document qui s'intitule « Synthèse des résultats de la consultation sur l'application du motu proprio sumorum pontificum ». Alors, quelle est l'origine de ce document et pourquoi cette publication maintenant ? L'origine, c'est un questionnaire qui a été envoyé à tous les évêques du monde, envoyé en avril 2020 par la Congrégation pour la doctrine de la foi pour faire le point, donc 13 ans après la promulgation de ce motu proprio. Il faut quand même préciser que ce questionnaire a été envoyé à chaque évêque en particulier et qu'il n'était pas prévu que ce soit les conférences épiscopales des différents pays qui répondent par une synthèse. Ce qui intéresse, je pense, le Saint-Siège, c'est d'avoir l'avis de chaque évêque, d'avoir une vue sur la situation particulière dans chaque diocèse. Donc déjà, dans le fait qu'il y ait comme réponse, dans la plupart des cas, des synthèses de conférences épiscopales, pose question. Alors donc ce document est la réponse à 9 questions, les questions que vous avez évoquées, posées par le Saint-Siège. Quelle impression générale se dégage des réponses ? Alors, il faut se placer sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'aspect formel, disons de présentation. Ce qui impressionne, c'est de voir que ce texte est mal rédigé. Le français a eu une réputation pendant plusieurs siècles, et bon, la langue française a créé l'esprit français. On en est bien loin, parce que ce texte est très mal écrit. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de syntaxe, de grammaire, des mots qui sont pris pour les autres, des phrases qui ne sont pas construites correctement, des phrases sans verbe, des morceaux de phrases, des signes de ponctuation qui n'ont pas de sens, ou bien qui sont là pour souligner de façon un peu parfois méprisante certains aspects des choses. Donc voilà, ça c'est l'aspect formel. En ce qui concerne le contenu, donc les réponses aux questions qui avaient été posées, ce qui me surprend, c'est que si je prends par exemple ce qui nous est conseillé dans la Compagnie de Jésus par saint Ignace de Loyola, c'est qu'il faut toujours avoir face à un interlocuteur un présupposé favorable. Présupposé favorable ne veut pas dire qu'ensuite on ne peut pas poser un certain nombre de jugements. Mais ici, et la page qui relate les points positifs et les points négatifs le montrent, ici, ce qui apparaît d'abord, ce qui est mis en avant en premier lieu, c'est justement le négatif. Donc il y a un présupposé qui est défavorable. Alors peut-être pas dans les réponses de chaque évêque en particulier, on ne le sait pas puisqu'on a affaire à une synthèse. En tout cas, de la part de ceux qui ont fait la synthèse, il est clair que le présupposé n'est pas particulièrement positif. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, comme vous venez de l'évoquer. Il y a effectivement un constat très critique.
On parle de la pauvreté des prédications, de la faible dimension missionnaire, mais aussi, je cite le texte, de la présence de jeunes familles nombreuses, d'une jeunesse qualifiée de fragile et identitaire, fascinée par la forme extraordinaire du rite romain. Donc, il y a beaucoup de jeunes à ces messes selon la forme extraordinaire. N'est-ce pas contradictoire de dire, ben, il y a des jeunes, mais d'un autre côté, les prédications sont nulles et ils n'ont aucun esprit missionnaire? Oui, enfin, c'est une façon, je pense, aussi de se rassurer sur l'état de l'Église en général. Et donc, ceux qui ont rédigé ce rapport savent très bien quelle est la situation réelle sur le terrain. Ils savent en effet que tout ce qui concerne la tradition est particulièrement vivant, notamment dans un pays comme la France, que les familles sont présentes, que la jeunesse est présente, alors qu'elle soit identitaire ou non, ça, je n'en sais rien. Là, je pense que c'est quand même un jugement qui est un peu… – Téméraire. – Téméraire et intempestif. Donc, il y a de leur part une connaissance de la réalité. Mais comme bon, la vie de l'Église en général n'est pas particulièrement sur la pente ascendante, une manière de se rassurer, c'est toujours de diminuer ce qui existe, en se disant, oui, quelque chose existe, mais en fait, ce n'est pas représentatif de la vie de l'Église en général. Alors, une des conclusions est, je cite encore ce texte, il s'agit donc pour les rapporteurs de ce document, je cite, d'être vigilant à ne pas étendre la forme extraordinaire du rite romain. Est-ce un coup de semonce pour demander que cesse le développement des implantations des communautés ecclésiadei en France? Alors, il est possible que ce soit le cas. En tout cas, de toute façon, c'est Rome qui a le dernier mot dans ce domaine. On ne peut pas dire que l'enthousiasme ait été particulièrement présent depuis 13 ans dans la plupart des diocèses français. Et le texte fait en tout cas la distinction entre les instituts ecclésiadei et puis le clergé diocésain. Et apparemment, ceux qui ont fait cette synthèse préféreraient voir le rite traditionnel réservé pratiquement de façon exclusive aux prêtres diocésains, voilà, pour que les évêques aient plus de regard sur ce qui se passe dans les diocèses. Il est possible que dans l'avenir, les instituts ecclésiadei aient quelques problèmes. Peut-être, je ne sais pas, des visiteurs qui viennent pour voir comment les choses se passent et ensuite pour rapporter à Rome la situation et sans doute des aménagements ou des corrections à faire. Alors la dernière lettre de ce document, la dernière ligne, affirme, je cite, l'application de cette lettre, donc le motu proprio summorum pontificum, pose ultimement des questions ecclésiologiques plus que liturgiques. Ça veut dire quoi? Alors je n'ai pas très bien compris, mais en même temps, oui, on peut comprendre, c'est-à-dire que le texte revient plusieurs fois sur ce qui serait, paraît-il, le rejet du dernier concile, dont on parle généralement d'ailleurs comme le concile, comme s'il n'y avait eu qu'un concile dans l'histoire de l'Église. Donc une certaine ecclésiologie qui s'est installée à partir du concile Vatican II. Et alors il est possible que les rédacteurs du texte se soucient du fait que la conception de l'Église de la part de ceux qui sont attachés au rite traditionnel, c'est une conception qui est celle de l'Église depuis des siècles et des siècles, et pas simplement depuis 1965. Donc il est possible que là, il voit un basculement de l'ecclésiologie. Alors nous avons parlé de ce qu'il y avait dans ce document. Y a-t-il également des éléments que vous seriez attendu à trouver dans ce document et dont l'absence vous surprend? Alors, évidemment, le document est tout de même relativement court pour un problème qui est vaste. Et le document ne parle en fait que de ce qui a trait au diocèse en particulier, donc pas de toute la vie de la tradition en France, notamment le pèlerinage à Chartres, les pèlerinages à Chartres, notamment toutes les vocations qui peuplent les instituts ecclésiadei et qui maintenant représentent un pourcentage de plus en plus élevé par rapport
aux vocations générales en France. Ouais, de l'ordre de 20%. De l'ordre de 20%, oui, à peu près. Et on estime, est-ce que vous avez des éléments, cette population? Alors, il y a des chiffres qui sont donnés pour le diocèse de Versailles, dans lequel il est dit que ça représente a priori 9% des pratiquants. Est-ce qu'on a une idée pour la France de cette population attachée à la forme extraordinaire du rite romain? C'est quel pourcentage des pratiquants? Est-ce qu'on a des idées? Alors là, les avis divergent. Il est certain que ceux qui ont rédigé le texte ont eu tendance, et peut-être aussi certains évêques, pour différentes raisons, ont eu tendance à diminuer les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas se faire d'illusions. Les fidèles qui sont attachés à la tradition en France représentent peu en nombre, puisque les pratiquants, de façon générale, sont très peu. C'est, je crois, officiellement 1,8%. C'est ça, ouais. Donc, sur ce chiffre, disons quelques dizaines de milliers. Alors, est-ce qu'on peut donner un chiffre précis? Sans doute pas. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est une minorité qui est très fervente, qui est très active, et qui ne se contente pas, contrairement à ce que dit le texte, qui ne se contente pas de suivre à la lettre des rites qui seraient surannés. Eh bien, merci beaucoup de ces explications. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonjour Patrice Morès. Bonjour monsieur. Vous avez publié dans Lecture française une série d'articles remarqués et remarquables. Merci. Sur l'affaire des fiches, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de ficher les gens avec les GAFA. Donc cette affaire des fiches est rendue publique à l'automne 1904. Quel est le contexte politique de cet événement? Alors le contexte politique de cette affaire Snowden, finalement, au début du XXe siècle, est celui de la Troisième République. La Troisième République qui a commencé sa guerre anti-religieuse dès 1880, en s'attaquant aux magistrats, par exemple. C'est aussi celui de l'affaire de Panama, parce que tout ça se tient. Les personnages de l'affaire des fiches sont des personnages compromis dans l'affaire de Panama. Vous nous rappelez l'affaire de Panama? L'affaire de Panama, c'était une escroquerie. Scandale financier. Voilà, c'était un scandale financier au moment de la construction du canal de Panama par Ferdinand de Lesseps. Et beaucoup de parlementaires ont monté une véritable escroquerie pour capter l'épargne des Français qui ont été lésés dans cette affaire. Et un homme comme Clémenceau, par exemple, était un des principaux hommes politiques, compromis dans cette affaire. Et je vais en citer un autre, c'est Loubet, qui est président de la République au moment de l'affaire des fiches, et dont le surnom qu'il accepte est Panama Premier. Mmh. Donc voilà en gros quel est le contexte. Alors je continue très rapidement, l'affaire Dreyfus, bien sûr, et l'affaire des fiches est en quelque sorte une suite dans ce contexte de l'affaire Dreyfus, parce qu'on va trouver beaucoup de protagonistes dans cette affaire. Alors, en quoi consiste précisément cette affaire des fiches? Alors, l'affaire des fiches, c'est très exactement l'application du vieux principe révolutionnaire du Comité de Sûreté Générale de la République. C'était pas le Comité de Salut Public qui commandait pendant la Révolution, c'était le Comité de Sûreté Générale qui était dans les caves de la Commune de Paris et qui développait un concept digne des motions du Parti Socialiste aujourd'hui, qui s'appelait le concept de transparence ou de lisibilité sociale, c'est-à-dire le concept qui impose au pouvoir de faire disparaître la sphère privée. Donc ceci, c'est vraiment ce qui a dicté, ces gens pour faire les fiches. – Alors en quoi ça consiste? Qu'y a-t-il dans ces fiches ?– Dans ces fiches l'affaire des fiches est indissociable d'un homme qui s'appelle le général André. Le général André, qui est un homme qui a commencé sa carrière dans la garde impériale, donc qui avait donné des gages au pouvoir impérial, mais qui ensuite, bien sûr, pour des questions d'arrivisme, a changé, avait un petit carnet qui était divisé en deux parties, la partie Corinthe et la partie Carthage. Hein, Carthage doit être détruite. Dans la partie Corinthe, c'était des bons officiers républicains, comprenaient les libres penseurs et les bouffeurs de curés, si vous me permettez l'expression, et dans la partie Carthage qui doit être détruite,
il y avait les officiers qui allaient... Les cléricaux. Cléricaux qui allaient à la messe, qui n'étaient pas républicains. Lorsque, dans des circonstances, le général André va succéder au général Galifet, pourquoi Galifet, le brûleur de la Commune, est-il devenu ministre de la Guerre? Parce que le Premier ministre de l'époque voulait un peu temporiser, parce qu'il avait temporisé pour mieux expulser les congrégations. Quand donc Galifet est remplacé par le général André se rend compte que 30 ans de travail, parce que c'est 1870, le début de son carnet, il n'avait que 3% des officiers français. Donc il a fait appel au Grand Orient. Ils ont monté une véritable cellule dans les caves du ministère de la Guerre Saint-Dominique, qui s'appelait les 12 apôtres. C'est assez étonnant, avec une ribambelle d'authentiques gredins médiocres, il ne faut pas avoir peur des mots, et avec l'aide de toutes les loges maçonniques du pays, ils ont monté des fiches, les informations remontaient, ce qui a fait dire, je crois que c'était à Daudet, comment dirais-je, Vadecart, qui était la cheville ouvrière du Grand Orient au, comment dirais-je, rue Saint-Dominique, Vadecart... collectait, je ne sais plus qui, transmettait, et enfin André sanctionnait. Alors qu'est-ce que c'était les fiches? Eh bien les fiches c'était « va à la messe ». Donc quand un officier allait à la messe, son avancement était retardé. Mais ces gens savaient, comment dirais-je, être, j'allais dire, juste et équitable. Parce que si vous alliez à la messe avec votre femme, on pouvait considérer que c'était pour la paix des ménages. Donc c'était moins grave. – Ça rappelle l'affaire avec Jean Jaurès sur le baptême. – Voilà, exactement. mais si vous y alliez avec un gros missel et sans votre femme, alors là. Vous pouviez quitter l'armée. Mais il faut savoir que beaucoup de gens ont quitté l'armée. Je cite dans cet article tout simplement le grand-père de ma femme, qui était officier, qui avait 5 enfants, qui a refusé de participer aux inventaires et qui est devenu quincaillier à Pontarlier. C'est un exemple. Je le dis dans cet exemple parce que ça me touche de près. Vous avez un autre officier, je fais très rapidement, qui n'allait pas à la messe parce que c'était un homme à femme. Mais il n'allait donc pas à la messe. Il a été approché, bien sûr, par la cellule de la loge de l'endroit où il était en garnison. On lui a demandé, mon commandant, est-ce que vous pourriez nous donner le nom de vos officiers qui vont à la messe? Et il a répondu, messieurs, je ne peux pas, je suis toujours au premier rang. Alors qu'il ne mettait pas les pieds à la messe. Vous voyez. Et cet homme, qui était un officier extrêmement brillant, a pris sa retraite en février 14 comme colonel. Il a été rattrapé par Joffre, qui lui a fait prendre 3 grades en l'espace de 3 mois, mais ça n'empêche que cette épuration a parfaitement bien marché. – Donc tous les officiers sont fichés, comment est-ce que cette affaire devient publique ?– Alors cette affaire devient publique pour une sombre et misérable histoire, je dirais, d'arrivisme professionnel, parce que Vadecart avait un adjoint, c'est-à-dire, je le rappelle, Matt Vadecart, c'est le type qui est le maître d'œuvre des 12 apôtres, hein, c'est-à-dire qui organise les fiches. Il a un adjoint qui s'appelle Bidegain, qui est du même milieu que lui, qui est un maçon convaincu, qui donne des planches, qui tourne dans les loges pour donner des planches, et on lui a fait miroiter qu'il allait pouvoir avoir la place de Vadecart, qui va être nommé ailleurs. Et dans l'année 1903, Bidegain apprend que Vadecart va rester. Donc que sa carrière s'est arrêtée. Et là, c'est digne d'un véritable roman policier. – Alors il se convertit quand même un peu, parce qu'il a un oncle qu'il met en relation avec un prêtre. – Alors c'est un ancien catholique, Bidegain. Ouais. Mais il a cessé d'être catholique, mais il a gardé des bons rapports avec son parrain, qui est l'abbé Bessoni. Et l'abbé Bessoni l'envoie à un autre ecclésiastique qui est en rapport avec le député de Neuilly, qui s'appelle Jean de Villeneuve. Et là, d'un seul coup, ces gens comprennent qu'il y a une machination fabuleuse qui est en cours, et c'est toute l'affaire policière, je ne pense pas que je pourrais tout vous l'expliquer, qui fait que Jean de Villeneuve se présente en septembre de 1904, se présente à la Chambre et commence de lire, les fiches, alors que le président de la Chambre, qui est au-dessus, vous le savez, voit parfaitement que les notes
sont en fait des papiers du Grand Orient, et il fait le signe de détresse pour tous ses camarades. Alors c'est un chahut indescriptible, ça c'est le premier élément. Puis il y a la fameuse deuxième séance, où là, je précise que la majorité était très importante pour la gauche. Et là, quand il y a eu le vote, quand même, ils n'ont eu que 4 voix de majorité. Mais ils sont quand même néanmoins restés au pouvoir, et André a gardé sa place. Alors, faut nous parler de Civeton quand même. Alors, j'y arrive très rapidement. Donc, il faut savoir qu'il y a un autre personnage fondamental, c'est Combes, qui va remplacer Valdecrousseau, hein, qui est un ancien séminariste, qui est devenu véritablement un franc-maçon anti-catholique, j'allais dire. Haineux. Haineux, oui, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ces fiches arrivent donc, pour répondre à votre question, dans les mains de l'abbé Bessoni d'abord, dans les mains de Guyot de Villeneuve, et Guyot de Villeneuve en parle à un de ses collègues députés qui s'appelle Siveton. Je précise qu'il connaît depuis très longtemps, puisque pendant l'affaire Dreyfus, Siveton s'était fait remarquer, du pouvoir, au point d'avoir été suspendu de son poste de professeur. Et Guyot de Villeneuve, qui était un homme riche, avait envoyé à Siveton l'équivalent de son traitement pendant un an, oui, c'est-à-dire le temps de la suspension. Donc les deux hommes se connaissaient et décident de faire cette opération au palais Bourbon. Au palais Bourbon, où il y a un deuxième vote dans un charivari indescriptible, et où là, la gauche s'en tire avec 2 voix, simplement. Et là, c'est le grand moment où Siveton, avec une espèce de préjugé psychologique extraordinaire, sent qu'il faut faire un coup d'éclat, descend les marches va devant ce personnage falot qu'est le général André, qui a une tête longue comme un jour sans pain, hein, et il lui assène 2 gifles magistrales. Voilà, un député gifle le ministre. Et pourquoi il le fait ? Pourquoi il le fait ? Parce qu'il sait que les voies de fait sur un ministre, c'est les assises. Et les assises, si vous voulez, c'est médiatiquement intéressant. C'est TV Liberté, par exemple, ou un journal. Donc on est sûr qu'il va y avoir une portée à cette affaire. Et on se trouve donc au début décembre, la droite exulte, il va y avoir un procès. Parce que Siveton a bien fait attention, les assises n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas eu préméditation. Oui. Mais lui, il avait bien prévenu les gens qu'il allait faire ça. Donc il y avait préméditation, on était sûr, et on arrive donc dans le noir décembre, dit Daudet, où tous ces gens sont euphoriques, et dans la rue de Neuilly, un petit garçon court vers Daudet et lui dit « Venez vite, il est arrivé un malheur, c'était dans le noir décembre. » Et tous ces hommes arrivent chez leur ami Siveton. Siveton gît dans son bureau, il est mort. Et là, il y a Madame Siveton en pleurs. Nous pourrons en reparler peut-être tout à l'heure. Il y a Daudet, bien sûr. Il y a Barrès, il y a Jules Lemaître. Il y a Villeneuve. Villeneuve est glacial avec Madame. Lui, d'habitude, si courtois, très aristocrate, hein. Il est glacial avec Madame Siveton, et Siveton est mort, et se déclenche ensuite l'opération bien connue, de salir quelqu'un. Siveton se serait suicidé pour des raisons de mœurs, puisqu'il abusait à la fois de sa belle-fille, des bonnes, c'était une espèce de Dominique Strauss-Kahn, de droite. Voilà un petit peu quel était le cadre de l'affaire des fiches. Et on a su, 50 ans plus tard, le fin mot de cette affaire, parce que quelqu'un s'est confessé dans un premier temps, dans les années 1918, à un attaché militaire à Berlin, un ancien flic qui avait été recruté et qui a dit, sur déclaration, ces papiers existent à la Bibliothèque nationale, qu'il avait tué Siveton. Mais on a su surtout comment ça avait pu être possible. Je vais l'expliquer très rapidement, parce que c'est digne d'un roman policier. Madame Siveton était d'origine hollandaise, c'était son deuxième mariage. Elle était, avant de se marier, la maîtresse de Camille Pelletan, celui qui a mis le désordre total dans la marine française. Dans la marine française. Mais vous savez, les francs-maçons sont des gens qui ne croient pas à l'éternité, mais ils travaillent toujours dans le long terme.
Et quand madame, c'était une très belle femme, Siffeton était un homme qui aimait les jolies femmes, quand il lui a fait la cour pour se marier, comment dirais-je, elle a été, elle a gardé toujours ses contacts avec, avec Camille Pelletan, un agent dormant en quelque sorte. Alors pourquoi je vous dis qu'on a l'explication policière de l'affaire, c'est que deux religieuses sont venues pour donner les premiers soins et faire la talut mortuaire, et il se trouve que l'adjointe de cette religieuse était une Hollandaise. Et quand les deux femmes sont sorties de l'appartement de Siffeton, elle a dit à sa supérieure, mais vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Non, je ne comprends pas le Hollandais, lui dit là. Elle a dit, pourvu qu'on ne les ait pas appelés, parce qu'il était encore tiède, Siffeton, ouais. Pourvu qu'on ne les ait pas appelés trop tôt, et qu'ils soient encore morts. Donc, on a eu la preuve que Madame Siffeton a été complice dans le meurtre de son mari. Je précise qu'il s'est... Il est mort la tête dans des bûches, une mort longue et douloureuse, avec une fracture du crâne, ça le légiste là, la pipe dans la bouche, alors qu'il possédait une mort atroce et douloureuse, alors qu'il possédait un revolver. Alors, nous allons malheureusement devoir en rester là, le temps est largement passé. Donc, je renvoie à nos téléspectateurs, vraiment, cette série m'a passionné. Donc, il y aura cinq articles. Oui. Donc, le numéro 2, lecture française, l'affaire des fiches, sous la signature de Patrice Maurès. Merci infiniment. Merci, c'est moi. Bonjour Sophie Margent. Bonjour monsieur. Donc vous êtes directrice de l'agence de voyage Odeya et particulièrement spécialisée sur les séjours, les voyages culturels et puis les pèlerinages. Oui. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est la situation générale en termes de voyage? Écoutez, la situation est quand même très très compliquée comme vous en doutez. Tout est figé, tout est bloqué. On ne peut plus vraiment voyager ou prévoir de voyager ces prochaines semaines. À l'heure où nous enregistrons, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer pour le mois de février, mais toujours est-il que là, nous sommes fin janvier et qu'on ne peut pas voyager à l'étranger à l'heure actuelle. Et alors, quelles sont les conséquences économiques sur le secteur? Ben, c'est dramatique, hein, comme on le sait, que ce soit toutes les retombées pour la France, mais également pour les agents de voyage, mais également tous les voyages qui peuvent se dérouler en France, c'est bien sûr dramatique. Et puis, bien sûr, c'est en allant à l'étranger aussi que les agences de voyage peuvent gagner leur vie. Et actuellement, et depuis maintenant pratiquement un an, on est bloqué, et c'est assez dur. Alors, avez-vous eu des idées pour compenser cette activité? Mais oui, alors on s'est réinventé comme on nous l'a, on nous a incité à le faire. Et le fait est qu'on a proposé depuis le printemps dernier de nombreuses conférences sur des thématiques historiques, d'histoire de l'art, mais également géopolitiques. Nos conférenciers, eux aussi, sont bloqués, eux aussi ne peuvent plus travailler. Et donc, dès le printemps dernier, nous avons proposé à distance, avec les outils actuels, via Internet, eh bien, de venir directement dans le salon de nos auditeurs, de nos ex-voyageurs, et donc en proposant des thématiques sur plusieurs cycles en fait, de conférences. Alors, quel sujet vous avez abordé donc, avec qui? Nous avons abordé avec Frédéric Ponce des sujets géopolitiques, mais également d'histoire. Actuellement, il continue à aborder des figures de proue. Il parle de ces grandes figures qui ont marqué le XXe siècle et le XXIe siècle. Il a commencé avec Élite Saint-Marc, Charles de Foucault, Caroline Aigle, et il continue. Donc j'incite vos auditeurs, vos téléspectateurs à venir sur notre site internet voir un petit peu ce que nous proposons. Jean-Michel Sanchez, qui est quelqu'un qui travaille très souvent avec nous, qui est musicologue et universitaire à Marseille et qui a abordé tout un tas de cycles sur l'histoire de l'art, donc art et spiritualité de la Renaissance à la période baroque, histoire, art et histoire au Moyen-Âge européen, donc c'est absolument passionnant, avec à chaque fois des supports visuels que les inscrits peuvent voir en très très bonne résolution, en très très bonne qualité. Ce sont des conférences qui se passent en direct
ou en différé. Lorsqu'on assiste en direct à ces conférences à distance, on peut très bien poser des questions et donc le conférencier. Et alors, il faut s'inscrire au préalable en allant sur votre site. Voilà, en se rendant sur notre site internet ou en nous appelant aussi, nous répondons encore au téléphone. On peut tout à fait avoir toutes les informations de tous ces cycles. Si un cycle est déjà commencé, ce n'est pas grave. Il y a ce système de replay, comme on dit aujourd'hui. Oui, on peut reprendre les émissions. Donc, on peut reprendre les émissions, réécouter autant de fois que l'on veut pendant plusieurs mois d'affilée. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. On a des soirées un petit peu spéciales aussi. Vous en avez fait partie. C'était au mois de janvier, donc avec Frédéric Pons, Charlotte Dornelas et vous-même sur le thème 2020-2021, la force de l'espérance. Et donc, voilà, on propose tout un tas de choses. Et c'est vrai que pour le mois de février, à l'occasion des vacances qui se déroulent, nous proposons également un cycle sur Verdun, sur l'histoire de France, donc récente, qui s'adresse à la fois aux adultes, mais aussi aux enfants. Et qui traitera ça? Alors, c'est pardon. Monsieur et Madame Pierson, donc qui sont lui de a la été région. Directeur du musée du mémorial de Verdun. Oui, oui, oui. Et donc ils ont une association des éparges et ils sont absolument passionnants et passionnés. On les écoute avec vraiment grande joie et surtout ils s'adressent aussi aux enfants. Donc ça c'est un petit peu la nouveauté. Ce sont les vacances scolaires, on ne sait pas trop quoi faire. Il faut s'occuper intelligemment. Mais surtout si on est reconfiné, si vous restez c'est ça. À la maison. Donc on le propose très volontiers. Et puis, c'est abordable. On peut choisir par conférence, etc. Il y a également des thématiques religieuses sur l'histoire sainte, la Terre sainte, l'histoire du salut qui seront abordées par moi-même. On a déjà commencé à l'occasion de Noël et puis nous poursuivons là, au moment de pour préparer Pâques, le carême, préparer Pâques. Et on va continuer cette histoire du salut. Toujours avec beaucoup de support. Voilà, donc on cherche vraiment à passionner notre auditoire, ils nous le rendent bien. On a vraiment on a été très surpris de l'adhésion de nos anciens voyageurs. Et on voyage autrement. Ils suivent ces conférences. Voilà, alors. Ils suivent ces conférences à distance depuis leur salon. Alors, ce qui est surprenant, si vous voulez, c'est que beaucoup, finalement, qui habitent en province, nous remercient de leur proposer cela à distance. Hein, c'est le côté positif des choses, c'est-à-dire que jusqu'à présent, souvent, beaucoup d'événements se passent à Paris. Et eux, de fait, sont privés de ces événements. Et finalement, c'est le côté positif de la chose, c'est qu'eux-mêmes, aujourd'hui, peuvent être intégrés pleinement à ces événements. – Est-ce que vous avez des projets pour la fin du printemps, pour cet été? On peut quand même espérer que cet été, nous vivrons normalement. – Alors, oui, nous avons plein de projets. Nous avons dès l'automne dernier, nous avons prévu la programmation comme habituellement. Tout est prêt. Notre site internet est magnifique. Il y a des destinations fantastiques. Nous avions d'ailleurs opté pour des voyages en France et en Europe simplement jusqu'au mois de juin, sans voyage extra-européen parce qu'on se doutait que les choses allaient être compliquées. On attend en fait au jour le jour. Il y a des personnes qui s'inscrivent parce qu'ils ont envie de voyager. Ils savent aussi que, eh bien, si jamais le voyage ne se fait pas à cause de la pandémie, ils seront remboursés intégralement, immédiatement. Donc ça, c'est aussi une manière peut-être d'inciter les personnes à se projeter en sachant qu'ils ne prennent pas de risque. Voilà. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et le fait est qu'on a des inscriptions là, qui se font pour certains voyages, par exemple au mois de mai, avec Maître Trémollet de Villars qui accompagnera un voyage en Sicile. On a également des pèlerinages qui vont avoir lieu à Rome. Avec le père Jean-Dominique. Alors en avril, on est en train de voir si on décale pas au mois de juillet. Ouais, avril, là, ça risque un petit peu d'être juste. Nous avons également un pèlerinage avec l'abbé Chautard, la fraternité Saint-Pédis, qui aura lieu fin août dans les Pouilles, sur les pas de Padre Pio. Et puis la Terre Sainte, nous espérons que c'était vraiment une destination phare chez Odeya, que la Terre Sainte. Et donc nous espérons reprendre les chemins de Terre Sainte dès le mois de septembre, peut-être. Nous ne savons pas, en fait. C'est ça qui est très compliqué pour nous tous. Pour tout le monde. C'est qu'on navigue à vue, on ne sait plus se projeter. C'est l'incertitude. C'est très compliqué, voilà. Eh bien, merci beaucoup de ces explications. Et puis, nous espérons donc que les téléspectateurs vont se rendre sur votre site pour mieux se renseigner. Avec plaisir. À propos de tout cela. Voilà, donc notre prochaine émission aura lieu le 15 février prochain. C'est mon ami Guillaume de Thiolois qui l'animera. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.